D'abord, tu vas dans un bureau. Après, tu vas à la télé pour parler de cigarettes. Et ensuite, tu vas à Los Angeles pour voir un type qui s'occupe des stars de ciné. C'est quoi tout ça? C'est mon boulot. Je suis lobbyiste. Je sais, mais t'as fait des études pour ça? Non. Non, j'ai appris sur le tas. Alors, n'importe qui peut le faire? Non. C'est... Ça demande, je dirais, une morale flexible que la plupart des gens n'ont pas. Et j'ai une morale flexible, moi? Eh bien, imagine que t'es devenu avocat et qu'on te demande de défendre un meurtrier. Pire que ça, un assassin d'enfants. Et la loi dit que tout individu a droit à un procès équitable. Tu le défendrais? Je sais pas. Je crois que toute personne a le droit d'être défendue. Ouais, et bah, les multinationales aussi. Il se passe quoi quand t'as tort? Voyons, Joey, j'ai jamais tort. Mais tu peux pas avoir toujours raison. Si c'est ton boulot d'avoir raison, t'as jamais tort. Mais si tu as tort... Ok, imagine que tu défendes le chocolat et que moi, je défends la vanille. Alors, si je te dis que la glace à la vanille, c'est la meilleure, tu vas dire... Non, c'est le chocolat. Exactement, mais ça suffit pas comme argument. Alors, autre question. Tu penses que la glace au chocolat, c'est le summum, qu'il n'y a rien de mieux? C'est la meilleure. Pour rien au monde, je changerai. Ah, alors pour toi, il n'y a que le chocolat? Oui, le chocolat et rien d'autre. Moi, il me faut plus que ça. Et même la vanille, c'est pas suffisant. Je pense qu'on doit avoir le choix en matière de glace, tu comprends? Et ça, Joey Naylor, c'est la définition de la liberté. Mais c'est pas du tout de ça qu'on parle. Ah, peut-être, mais moi, c'est de ça que je parle. Mais t'as pas prouvé que la vanille, c'est meilleur? Pas besoin, j'ai prouvé que tu as tort, et si tu as tort, c'est donc moi qui ai raison. Il m'a pas convaincu, ton argument. Ce n'est pas toi que je vise. Ce sont eux mes cibles.